Bonjour, bon dimanche. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, j'ai eu envie de manger un gâteau au chocolat. Je me suis dit que je vais le faire en live. Ça fait tellement de temps que je n'ai pas fait de live pâtisserie. Et dit aujourd'hui, pourquoi pas faire profiter aux amis de ma page de faire un bon gâteau au chocolat pour les enfants, pour eux-mêmes. Hein. Parce qu'on accuse toujours les enfants, mais nous aussi, on aime ça. Donc, partagez le live. Aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat. Simple, facile et super bon. Voilà. Ça fait qu'au moins un an, je n'ai pas fait de live pâtisserie. Ça me fait bizarre de faire ça aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais partager le live déjà. Attendez 2 secondes. Est-ce que je peux changer encore? Je regarde un peu le. Quelque chose. Non, c'est bon, ça va. Donc, je vais partager le live. C'est un peu sombre, on dirait, non? Je trouve que c'est sombre. Je veux que ce soit coucou. Je me dis bonjour, chose un peu sombre. Je vais changer un peu le truc. Je vais faire, on fait un gâteau au chocolat ensemble. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait sur ma page de recettes. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de refaire. Attendez, change un peu. J'en ai changé un peu mon filtre. Là, il m'a l'air sombre. Et je ne sais pas comment faire. Hop, est-ce qu'on peut faire comme ça? Non, bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. C'est un peu sombre. Je suis désolée. Excusez-moi. J'ai voulu mettre un effet clair. Mais là, j'ai l'impression comme si ce n'est pas le cas. Mais bon, ça va. OK, c'est bon. Donc, partagez le live. Je vais le partager moi également. Partagez partout dans les groupes. Aujourd'hui, on fait un gâteau au chocolat. Donc, notez la recette. Parce que je n'écrirai pas la recette après. Hein. Non, c'est à vous de la noter pendant qu'on la fait. Hop, hop. Un petit partage. Un petit partage. Et après, je commence. La partager aussi, s'il vous plaît. Ceux qui sont connectés, envoyez-moi des cœurs et partagez. Plein, plein de cœurs et partagez. Voilà, hop. Voilà, j'ai fait mon petit partage. On va faire un gâteau au chocolat très simple et très bon. Profitez de mes recettes, hein. Profitez. Après, j'ai dit que oui, Flore, tu ne partages pas tes petits secrets. De temps en temps, quand ça me prend, je le ferai. Mais pas tout le temps parce que je suis tellement occupée maintenant et j'ai pas le temps de faire des lives pâtisserie trop, trop, trop. Mais là, j'en fais aujourd'hui. Voilà. Donc, déjà, je me présente. Hein. Moi, c'est Flore Cake. Je suis pâtissière. Pâtissière cake designer en France. Pâtissière cake designer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des gâteaux personnalisés. Des gâteaux personnalisés. Selon l'envie du client, selon le thème, ce qu'il veut et tout. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais vraiment pour la maison. Hein. Donc il ne faut pas dire que oui, Flore tes ongles, Flore tes cheveux, Flore machin. C'est un gâteau que je fais pour moi et mes enfants, que je vais manger. Donc si mes cheveux tombent dedans ou quoi que ce soit, ça nous regarde, nous qui allons manger à la maison. J'ai pu avertir parce qu'il y a des gens parfois qui m'ont dit que mais elle fait des gâteaux, pourquoi elle a les cheveux comme ça? Oui, c'est pour la maison. Donc je me lâche. Là, je me fais plaisir à moi-même. Voilà, c'est pas pour une clientèle. OK, donc on va commencer. Donc, mais partagez sur le peu de personnes qui sont là. Veuillez partager, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Partagez le live, taguez vos amis. Bon, on va commencer. Pour faire le gâteau au chocolat, ça c'est du chocolat noir. Voilà. Ça c'est du chocolat noir. Moi, je l'ai fait en pastille comme ça. Mais vous, si vous payez en supermarché, Auchan, Carrefour, Franprix, vous payez en tablette de chocolat pâtissier et vous le découpez. Moi, j'ai la chance de l'avoir déjà comme ça. Donc là, c'est à peu près 200 grammes de chocolat noir. J'espère que je n'ai pas pris les mesures. Là, c'est le beurre. Voilà, tu prends du beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Donc, vous mettez 120 grammes de beurre que vous mettez dans le chocolat. Voilà, comme ça. Je prends ma spatule. Voilà, je mélange le chocolat, je le mets dans le beurre. Ainsi, voilà, comme ça. Donc, soit vous le faites chauffer au bain-marie pour le faire fondre. Donc, bain-marie, c'est de l'eau dans une casserole où vous mettez au-dessus un récipient et vous faites fondre. Et ou bien, vous le faites fondre au micro-ondes. Donc, moi, je vais le mettre au micro-ondes pendant peut-être 1 minute pour que ça fonde vraiment ensemble. Donc, voilà. Donc, je micro-ondes tout au fond. J'arrive tout de suite. Je mets le micro-ondes et je reviens. Je suis là, ne vous inquiétez pas. J'ai mis au micro-ondes, voilà. Bon, c'est en train de fondre au micro-ondes. C'est en train de fondre, j'ai mis le chocolat et le beurre. Voilà. Il y aura ensuite du sucre, de la farine, des œufs.
Les œufs, je vais commencer en tendant à casser les œufs dans ce récipient. En cassant les œufs, c'est pour gagner du temps. Hein. Voilà, je vais casser les œufs pour gagner du temps. Hop, je mets mes 4 œufs là. C'est 4 œufs. 4 œufs entiers. Voilà, je les casse. Voilà. Et là, vous entendez le micro-ondes, le chocolat et le beurre qui est en train de fondre. Sachez que bientôt, je vais mettre en vente des pâtisseries, des gâteaux sans gluten. Des gâteaux simples et bons, sans gluten. Voilà. D'ici l'été même. Donc, je vous en parlerai plus. Donc, je vérifie mon chocolat, si c'est bien fondu avec le beurre. Voilà, je suis en train de fondre tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler un peu de mon événement. Le 24 juin, les amis, le 24 juin. Dans un mois exactement, je fais un cocktail autour du champagne Meudon. Champagne Meudon, c'est un champagne que j'ai lancé l'année dernière, en 2022, là, vers novembre, pour accompagner mes gâteaux. Comme je suis dans l'événementiel et que je fais des gâteaux tout le temps pour les soirées, les mariages, j'ai associé du champagne. C'est du champagne qui est très bon. Les gens me comparent souvent que oui, ton champagne, on a déjà le ruinard, on a le mouette, on a ceci, on a cela. Il faut arrêter de rester toujours focalisé sur des choses. Voilà, on peut avoir plus, comme les produits cosmétiques, il y a 100 marques. Les produits de gâteau, il y a plusieurs marques. Voilà, moi, la mienne, c'est le champagne Meudon. Vous tenez bien, champagne Meudon. Je fais en demi-sec et en brut. Ça accompagne vos événements, vos mariages, vos cérémonies. N'hésitez pas à m'écrire sur le numéro WhatsApp qui est en haut pour commander vos champagnes et pour commander vos gâteaux. La saison des mariages arrive. N'attendez pas la dernière minute pour faire vos mariages. N'attendez pas le dernier instant pour commander vos gâteaux de mariage. Faites un tour sur ma page, je fais des gâteaux, je me déplace partout. Donc, n'hésitez pas, je vais regarder le chocolat. Voilà, donc le chocolat, j'ai mis le chocolat, vous voyez, au micro-ondes avec le beurre. Et je vais mélanger, voilà, je vais mélanger délicatement comme ça, le chocolat et le beurre. Moi, j'ai toujours dit que les gâteaux maison sont toujours les meilleurs. Voilà, le chocolat, et le profiter, hein, ça fait plus d'un an, je n'ai pas fait de live pâtisserie sur ma page. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker et partager. Voilà, je vois aucun cœur là. Vous n'êtes pas gentil du tout. Vous n'êtes pas gentil. On est là, il n'y a personne qui m'envoie des cœurs. Voilà, vous voyez comment le chocolat est, vous voyez. Voilà, je vais des cœurs. Voilà, oh, c'est vraiment délicieux, vous voyez. Voilà. Voilà, vous voyez. Le chocolat bien fondu. Et je vais préchauffer mon four parce que maintenant, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, donc je vais préchauffer mon four. Vous mettez le four chaleur tournante 180 degrés. Chaleur tournante 180 degrés. Voilà, donc mon chocolat est prêt. Je trouve que c'est encore chaud. Donc si je mets les œufs dedans, ça risque de cuire mes œufs. Ça risque de cuire mes œufs, donc je vais pas mettre les œufs tout de suite. Je vais d'abord ajouter le sucre. D'abord ajouter le sucre. Là, le sucre, c'était combien de grammes de sucre? J'ai mis le sucre, je crois que j'ai mis 120, mais je vais diminuer parce que moi, là-bas, j'aime pas quand les gâteaux sont trop sucrés. Donc là, comme c'est 120 grammes de sucre, je vais mettre moins. Je vais mettre moins. Je vais mettre peut-être, disons, 80 grammes. Donc, je ne mets pas tout. Voilà, je ne mets pas tout. Je vais laisser un peu. Parce que là, c'était 100 grammes. Je vais mettre 80. Sachez, quand vous faites des gâteaux, vous pouvez diminuer le sucre de 20%. Voilà, le sucre de 20%, vous pouvez. Et je mélange. Voilà, je mélange. Voilà, j'ai fini de mélanger le... Voilà, j'ai fini de mélanger comme ça. Maintenant, je vais mettre les œufs dedans. Voilà, j'ai ces 4 œufs entiers que je rajoute. Bon, je mets les 4 d'un coup. Et je mélange rapidement. Voilà, je mélange. Pas que le chocolat soit trop chaud hein, quand vous mettez les œufs, parce que ça va cuire sinon. Parce que je viens de faire fondre le chocolat. Je vais me dire attendre même un petit peu que le chocolat refroidisse. Mais j'étais impatient, j'étais pressée. Voilà, vous voyez, un bon gâteau au chocolat. Voilà. Maintenant, on met une pincée de sel. La pincée de sel permet de relever le goût. La pincée de sel permet de relever le goût. Une pincée de sel que je mets, ça c'est un ressort de goût, le sel. Donc, je mets et je tourne. Vous voyez, gâteau au chocolat. Voilà. Ainsi, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, il reste à mettre la farine. C'est 100 g de farine, d'être un peu de farine, 100 g de farine avec un peu avec de la levure. La levure, et voilà, donc j'ajoute, je vais mettre en plusieurs temps pour ne pas faire de grumeaux. Je mets une première partie, je mélange.
La première partie, je mélange comme si délicatement. Voilà. Voilà, une première partie. Je mets en deux fois. Mettre en deux fois, ça permet de ne pas faire des grumeaux. Voilà, je mets la deuxième partie. Le temps passe vite, il y a 13 heures. Voilà, deuxième partie. Et je mélange. Pareil. Délicatement. Voilà, je crois que j'ai tout mis, hein, j'ai rien oublié. Et parfois, moi, tu fais comme ça, tu mets un truc trop loin, après tu oublies. Voilà, je mélange. Et voilà. Mmh. Voilà, là, je vais mettre dans deux moules. Là, j'ai moule en papier, je mets dans deux moules. Ça permet que le goûter de mes enfants, juste au moins mercredi. Hein. Et vous savez, les enfants, je vais être à mercredi, ils vont aller piquer, ils vont tout finir en un jour. Franchement, les enfants, l'affaire de piquer les goûters, là, c'est quelque chose. Voilà. Je trouve que c'est un peu, désolé pour l'état, c'est un peu flou, j'ai l'impression. J'ai choisi un mauvais filtre. Voilà, je fais comme ça, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Donc, je mélange. Et voilà, c'est fini. Nous avons notre... Voilà, nous avons notre pâte au chocolat. Voilà, hop. Je mets ça à laver. Voilà, je mets ça. Bon, je mets ça là-bas. Hein. Hop. Je vais laver après. Le four est préchauffé à 180 degrés. Voilà ma pâte. Je vais mettre dans deux moules différents. Et ça me fera deux gâteaux. Voilà, je mets dans deux moules. Dans celui-là et celui-là. Je mets dans deux moules. Voilà. Bon, je ne sais pas si un moule va suffire. Peut-être, hein. C'est pas beaucoup. Et soit les moules s'y gonflent trop. Est-ce que tout peut entrer là? Je ne sais pas. Hein? Est-ce que tout peut entrer là? Non, je mets dans deux moules, je préfère. Pour plus de prudence. Parce que c'est les moules qui ne sont pas très hauts. Voilà, je mets dans deux moules. Voilà mes gâteaux, ils sont prêts. Ouais, c'est rapide, ça fait même pas 10 minutes. On a des bons gâteaux au chocolat. Et en plus, ce qui est bien sur les gâteaux faits maison, c'est que vous pouvez vous-même décider du sucre. Voilà. Alors, quand vous achetez des gâteaux, le sucre est imposé. Mais quand vous faites des gâteaux vous-même maison, vous pouvez décider la quantité de sucre que vous mettez dedans. J'attends que le four chauffe bien. Et je vais mettre ça au four. Voilà, je débarrasse ça. Je mets déjà ça, de l'eau dedans pour rincer. Voilà, j'ai tout mis, j'ai mis les trucs à tremper. Ça me permet que tout à l'heure pour laver, ça sera plus facile. Bon, avant de finir de mettre au four, je mettrai après sur la page de résultats. Avant de mettre au four, on va reparler. Comme je vous l'ai expliqué, moi, je suis cake designer. Je fais des gâteaux d'anniversaire, baptême, mariage. Je me déplace un peu partout, en France, en Afrique, partout. Et je fais aussi des champagnes que j'associe à mes pâtisseries. Donc, aujourd'hui, je suis à la maison. C'est dimanche, vous voyez, tranquille à la maison. Je vais vous faire un gâteau au chocolat. Je me dis, tiens, je vais le faire en live. Ça fait longtemps que je fais des live pâtisserie. Là, je suis à la maison tranquille, je fais des gâteaux, j'ai mis la caméra. Et puis, j'ai fait mon gâteau au chocolat devant vous. Un gâteau qui sera pour moi, pour mes enfants, pour la maison. Voilà, donc un gâteau familial. Voilà, donc je vais sur le four, il est chaud. C'est presque chaud. En attendant, je vous invite. J'ai mis un lien en haut, un lien de paiement. Le 24 juin, retenez bien cette date, le 24 juin, j'organise un cocktail autour du champagne Meudon. Champagne Meudon, c'est un champagne semi-sec et brut qui fait pour accompagner les gâteaux que je fais et les gâteaux que vous faites aussi. Accompagner aussi de l'apéro salé, hein, pas forcément les gâteaux. L'apéro salé, c'est pour vos familles, vos amis, vos événements. Contactez-moi si vous voulez les champagnes. C'est vrai qu'il y a un prix, mais quand vous prenez plein de bouteilles pour un événement, les prix peuvent être dégressifs. Ceux qui font aussi des soirées, je peux aussi faire des dépôts de boissons. Voilà, les dépôts de boissons concernant les champagnes. N'hésitez pas à me contacter. Le numéro WhatsApp est en haut. Écrivez-moi, contactez-moi. Il n'y a pas de souci, on s'arrange. Donc voilà, dans le 24 juin, n'hésitez pas à me contacter pour l'événement. L'événement du 24 juin, cocktail autour du champagne Meudon. Et ce jour-là, vous êtes profité pour manger mes gâteaux. Je ferai plein de gâteaux. Ça sera une occasion pour vous de déguster les gâteaux de la pâtissière, de la pâtisserie, quoi. Ça sera une très bonne occasion.
Donc, si je ne vais pas mettre non plus que ça, je vais en fournir mes gâteaux au chocolat, mes cakes au chocolat. Voilà, je vais essayer. On laisse environ 35 minutes. Mais vu le fait que j'ai mis dans deux moules qui ne sont pas très grands, je vais les laisser peut-être 25 à 30 minutes. Voilà. Parce que si je mettais dans un seul moule grand 35, mais là, je vais laisser à 25 minutes en gros environ. Bon, merci de m'avoir suivi. On n'était pas nombreux, mais merci d'avoir été là. De temps en temps, quand je vois que je pense, je vous fais un live pâtisserie ou un live de divers pour parler de la vie, quoi. Moi, j'aime bien ça. On peut même en parler, même maintenant. Parler un peu des vertus de la femme. Les vertus de la femme africaine qui ont beaucoup changé maintenant. Les vertus, poser des questions. Il y a tellement de choses maintenant. J'essaye de... Voilà. En parlant des vertus de la femme, je trouve que les vertus de la femme africaine ont beaucoup changé. Je vous conseille, vous les mamans, d'éduquer vraiment beaucoup vos filles et beaucoup vos garçons. Parce qu'on voit la jeunesse d'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la jeunesse est vraiment, vraiment très pervertie. Les filles n'ont plus de respect pour leur corps et les hommes non plus. Voilà. Les filles, facilement, on prend à la légère le sexe. Les filles se livrent facilement à n'importe qui, plaisir pour le plaisir, sans penser à leur dignité, sans penser que voilà au futur. Et les hommes aussi. Sachez que quand une femme est frivole et légère, un homme aussi va être frivole et léger. Pas parce que tu es un homme que tout le monde doit avoir ta culotte, tu es désolé. C'est pas parce que c'est seulement réservé seulement aux femmes, aussi réservé aussi. Un homme doit se préserver, un homme doit se respecter. Un homme d'être digne. Un homme n'est pas seulement là pour dire, comme je suis un homme, je dois sortir avec n'importe qui, je peux faire tout. Non, 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 non. On ne peut pas faire tout parce qu'on est simplement, remplacé. Voilà. Parce qu'on est un homme, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Je vois qu'il y a quand même des personnes qui sont là. N'hésitez pas à liker, à m'envoyer des cœurs, hein, des j'aime. Je vois que j'ai aucun j'aime là. Pourtant, il y a connecté. Parce qu'on est un homme. On a monté sa culotte partout, on a sorti toutes les femmes, il faut apprendre à vous respecter. Le respect, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas accès facilement à toi, à ton intégrité, à ton intimité. C'est comme ça qu'on se respecte. Il faut rester parfois aussi un mystère. Tout le monde n'a pas accès à toi facilement. C'est comme ça. Et les filles aussi, arrêtez de vous vendre moins cher. Arrêtez de vous vendre à 2 francs. De nos jours, les garçons ne draguent plus les femmes. C'est les femmes qui draguent hein, les hommes. Un homme, il a 10 fils en train de le draguer. Mais où est passée la virilité? Un homme aime se sentir viril. Un homme aime se sentir que c'est lui qui domine. Il faut dire la vérité. C'est bien quand l'homme domine parce que lui, une femme, on est protégé. Mais quand vous partez le draguer, le harcer pour poser votre corps, déjà vous prenez à sa place de 1. Et de 2, il faut savoir maintenant vous respecter. C'est vraiment très... voilà, c'est très important. Donc, je ne vais pas mettre longtemps. Là, j'ai fait le gâteau au chocolat. Ceux qui ont profité de la recette, tant mieux. Pour les événements, mon numéro de WhatsApp est sur ma page et en haut du live. Pour l'événement du 24 juin, pour la question du champagne Meudon, cliquez sur le lien. Payez votre place qui est de 35 €. Vraiment, ce n'est pas cher. Dans un hôtel 5 étoiles à La Défense. Je vous attends nombreux ce jour-là. Les places sont limitées. On a 60 billets. Il en reste 20. Donc, réservez rapidement. Sur ce, de gros bisous et bon dimanche. Ciao.